Bonjour à tous et à toutes, je suis Rizzi, bienvenue pour la suite et le milieu de l'enquête de l'épisode 4 de Benjamin Hunter Ace Attorney Investigation. Dans le premier épisode de cette affaire, nous sommes 7 ans dans le passé, Benjamin Hunter n'a pas les cheveux blancs, ce qui explique sa dégaine et son allure un peu juvénile qui me fait extrêmement peur, et Francisca est une gamine qui a déjà une gravache, donc son père l'a très mal élevé, et bien sûr... Nous sommes toujours dans l'optique que Hunter est l'apprenti de Von Karma. Von Karma qui lui a gentiment proposé sa première affaire en tant que procureur, incroyable, qui devait donc prouver que Monsieur Cadavre avait bel et bien tué un homme. On ne sait toujours pas qui c'est. Non, c'est Monsieur Surge qui a tué un homme qui s'appelle Monsieur Cadavre. Gros jeu de mots. Mais sauf que son avocat de la défense, Monsieur Faraday, a été retrouvé mort en même temps que lui dans la salle de l'avocat de la défense, qui était surveillée par notre cher ami l'inspecteur Detective, l'inspecteur sac à merde. Et c'est donc lui qui est impliqué dans cette affaire. Et maintenant, nous devons enquêter. Yes! Ah, tu m'étonnes. Dans ce cas, parlons à Francisca Von Karma, notre cher partenaire de choc. Non, vraiment, c'est incroyable. Ah oui. Regardez comme Benjamin Hunter pointe du doigt comme son vénéré maître qui le poussera à... je ne sais pas. À faire croire que c'est... Bref, regardez l'épisode 1, enfin le... Regardez les 7 en est 1. Vous comprendrez tout de la suite. Parce que la timeline est super chiante. Enfin pour moi elle est chiante. Un coup de cravache, voilà. Parce qu'elle est pas coup de sorte. N'est jamais content de cette personne. Ah mais ça c'est notre cher ami dont j'ai oublié le nom mais qui se fout toujours de notre gueule. Voilà, Eria.
Oh, ça parle mal! Ça parle très 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 mal! Mais en même temps, c'est tellement vrai! Ah oui, ce pauvre Mage Winter. Voilà, elle se met à loler et comme une. Comme n'importe qui. Son sourcil foncé et les rides. Oh là là! J'aimerais vous poser encore quelques questions. Ouais, c'est super important. Ah là là, ce lol incroyable qu'elle se tape. Ah bah. J'ai envie de dire comme Logan Paul. Voilà, bon, cette blague était beaucoup trop tard, beaucoup trop tardif, mais c'est pas grave. Alors, nous étions dans la salle des épisodes numéro 1, voilà, c'est exactement ce que je disais. Bad. Inspecteur, bad. Avec bad D. Ah, mais quel était... Non, parlez-moi de cet inspecteur bad. Le KG28, encore cette affaire, ah là là. Parce que nous aimons les affaires avec des lettres, un tiret et un chiffre. Ah bah, surtout qu'elle ne le prend pas au sérieux du tout. Lui et Faraday? Comment? Incroyable! Il se passe des choses! Oui, mais d'abord, l'heure du meurtre, parce que je suis obligé de te demander ça, c'est dans mes... c'est dans mon... c'est scripté. Tu ne peux rien dire. Je vais retenir cette information. Parce qu'on sait que les informations du passé peuvent être utiles dans le futur. Tanguis Rouge. Attendez. Cherchons des jeux de mots avec Benjamin Hunter. Bon, on sait qui c'est. Tanguis Rouge. Oh là là, quel gros jeu de mots. Et voici cadavre. Bon, bah, carrément, on s'en va les couilles. Le juge, qui n'a... s'appelle le juge, hein. Calisteria, Selchopad, Jean Questou. Oh là là, quel nom incroyable, Jean Questou. Ah là là. Il n'a pas voulu répondre parce que c'était top secret. Fififi. Mais tout cela est extrêmement mystérieux. Oh, c'est réducteur. Oh, c'est très très réducteur. Mm
Mince, tu étais donc infiltré. Bien, 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 mais par moi d'essayer de regarder les yeux. Oui, le Yategaz. Des entreprises, oh, intéressant. Elle se fout de ma gueule. Ah oui, c'était trop lol. MDR. Oh là là. Oh là là, trop lol. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air à cette vidéo à 10 minutes et 30 secondes pour le référencement. Des informations. Intéressant. Alors, ça fait un moment que je l'ai pas dit dans les Benjamin Hunter, mais prenez une bonne boisson chaude pour l'ambiance. Bon, il y a plus Godot, c'est pas grave. Godot, il était cool. Ah, ouais. Ouais, je pense qu'il s'est calmé depuis que j'ai parlé à Arya. Exactement, il s'est calmé. Ah, je le savais que cette conversation avec Arya allait tout changer. Elle est là, ouais. On sait pas pourquoi, mais elle est là. Je sais pas, écoute, hein. Je pense que t'es trop con pour faire ce crime, mais... Voilà, exactement. Exactement. Le cœur, mais jamais. Oh, il a dit une chose sensée. Incroyable. Mais d'abord, je vais te demander ton mobile. Même si tu les as pas tués, pourquoi tu les as tués? Actuellement, ça rame du cul. Je ne m'explique pas. En fait, il était contre moi parce que... Ah mon dieu, attention les révélations! Waouh! Oh, c'est tellement profond. Et oui, les mots font plus mal que les coups, les enfants. Insultez les mères de vos copains. En vrai, insultez pas les mamans, c'est un manque de respect. Et le manque de respect, c'est pas cool. Non. Aurais-tu un twist? Eh bah, t'as son...
Évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette enveloppe? Ah bah non! Ah bah non! C'est du scénario! Oh, une petite prime d'une top quoi? Ouais, mais... j'ai un donné sur cette prime annuelle qui n'y a rien dedans parce que... Parce que Balek. Hey, je vais faire vite. Quelle est donc cette pièce à conviction? Dis-moi, détective, je vais te présenter une preuve que je vais piffer. Es-tu sûr de ce que tu viens de dire? Ouais, parce que... Tu es sûr de ça? Tu es vraiment sûr? Vite, examinons le couloir. Et pendant ce temps... Je t'ai vu, je te vois, tu viens de me donner un coup, c'est une blague. Andrew a fait tomber un sachet plastique. Elle fait moins d'un mètre, je peux pas voir en dessous. Flashback, car oui, dans l'épisode précédent... Nous avons échangé des pièces contre une pièce de 1 euro. La France. La localisation, tout ce qu'on aime. N'est-ce pas, Francisca, hein? Je pense que tu es doué dans ce domaine. Hein? Hein? Ouais, Francisca. Oh, un roulé suisse. Oh, oh. Et il est plein. Une gamine, ouais, si tu veux. Je veux sa punition. Je vais manger le roulé suisse. D'abord. C'est exactement ce que j'allais faire. Merci de le répéter, perroquet. Allons-y. Le juge est bad. Voilà. Oh là, le juge, j'ai des choses à te demander. Ah oui, la petite présentation. Ah là là. Et blablabla, mes couilles, ma bite, on sait, Francisca, Nick.
Ah, elle s'est mordu la langue. Ah là là. Monsieur le procureur? Non mais... Alors, oui, je veux que tu m'écrives noir sur blanc ce que tu as vu. Oui. Totalement. Ouais. Enquêtons. Ouais. Je vais te poser des questions. Par contre, tu n'as pas changé de tête en 7 ans. C'est chaud. Non, c'est une question. Calme-toi. Arrête de flipper. Calmez-vous. Tu te promènes avec ton petit marteau. Petit marteau. Allez. Oh là là. Ah, si tu savais. Si seulement tu savais. On a atteint mon âge. Ah, évidemment, les problèmes des personnes âgées. Parlons-en. Une petite fenêtre. Eh bien, c'est la fenêtre des toilettes des hommes. Waouh. On peut très clairement voir le couloir de plus de toilettes. Ouais, il faudrait que je me rende aux ces toilettes. Mais il y a quelque chose à cette fenêtre. Je vais aller vérifier. Ouais. Ah, intéressant. Comment? Il n'y avait personne entre le moment où t'es allé poser ta brique et le moment où t'es sorti. Merci, monsieur le juge. Vous êtes... Ah oui, qu'est-ce qu'on a maintenant? Pour le moment. Allez, salut. Ils sont très très gentils même. Et ça, c'est cool. Ah oui. Bon, allons examiner cette fenêtre. Parce qu'il y a des choses à regarder, des choses exactement, des choses à regarder sur cette fenêtre. Ah, notamment qu'on voit les chiottes. C'est super important et je devais te le signaler. Ouais. Ha ! Espèce de naine. Rect. Est-ce que t'es pas un peu rect ? Oh là. Oh mais on peut plus rire. Oh là 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 là. Oh c'est pas... Regardez ce cactus. Il est super beau. Ah, sur le cactus. Mince alors. Eh ouais, on sous-estime la puissance des cactus. Ouais, mais il est vachement beau. Hein? Bah attends, une seconde, mais surtout, qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de papier rose. Ou un tisson, ah non, des statues. Fait de caoutchouc. Sans doute un gant. Je suis presque sûr que c'est un gant, ouais. Moi non. Ah mais me frappe gratuitement, c'est pas juste ça, madame la juge, oh là là. Ouais, est-ce qu'on peut parler de toi, hein? C'est incroyable, ça. Mais surtout, être des petites papettes. Ou des fourmis. Eh oui. C'était très méchant.
Mais regardons en dessous. Ah, des fourmis, des fourmis. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une expression. Calme-toi. Oh là. Elle prend tout sur le pied de la lettre, c'est énervant. Ouais, j'ai ajouté cela à la liste des grandes licences. Ah bah sans doute, écoute, hein. Mais justement, regardons. Un roulet suisse. Des roulets suisses. C'est sans doute très important. Frappe le mur. Mais surtout, il y a une empreinte de main. Et c'est super étrange. Mais dis donc, est-ce que c'est pas une main? Tu penses? Mais en fait, t'es nul. Ouais, en fait, t'es très très nul. Comment? Mais une seconde, oh, une seconde. Oui, je vois ce qui s'est passé. C'est bon. Je sais très exactement où est détective. Lorsque le juge est sorti des toilettes. Ouais. Je sais très exactement ce qui s'est passé maintenant. Mais regardons ces poubelles. Ouais. Waouh. 6 balles le gâteau. Ok, c'est un petit peu cher. Oh. Des slogans incroyables. Mais non, mais c'est drôle. Non. Waouh. Sans doute est-il parce que il y a marqué ceci. La fin de quoi? Bah la fin de. La fin. Ah mince alors. Oh là là mec. Minimum 1 euro. Une fente, un distributeur de billets, des trucs et puis d'autres trucs inutiles. Hein. Mec, tu fais quoi? C'est 5 balles. Oh. Mais regardons. Ouais. Mais d'abord procédons à la logique. Nous savons que ce distributeur automatique distribue des sucreries. Or, nous avons trouvé des miettes de roulé suisse. Y a-t-il une corrélation? Ah, je pense que oui. Hey. Et oui, incroyable, exactement. Peut-être fun mal, j'espère. On en vend, et oui, regarde, 6 balles. Ça fait cher. Bah ouais, mais écoute, hein. Ouais. Exactement. C'était super important. Voilà, et puis c'est tout.
Non, mais cette investigation était rapide, on va dire. On va dire que c'était rapide. Et oui, exactement ce que je pensais. Et il a fait tomber son roulet. Ah là là. Et bah parce que on s'en bat les couilles. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que comme il était assis. Eh bien, regarde bien. Regarde bien. Regarde bien cette contradiction et tu vas me dire si je suis pas tort. Regarde bien. Ça vaut 6 euros ici. Mais il y a une contradiction. Une contradiction contradicante. Parce que sa prime annuelle n'est que de 5 euros. Et il n'avait pas d'argent. Alors comment l'expliquer? Moi je le sais. C'était Kay Faraday, spoiler! Avec l'aide de Kay Faraday, eh oui. Salut Bad. Ton enquête, hein? Ouais. Je vais te poser des questions sur Dick. Ouais. Je sais. Oui, j'étais là. Calmez-vous. Alors, retenons qu'il a présenté des excuses. Putain, par contre, il fait des gros yeux. Ouais, je vois. Flashback. Ah, ça me paraît très très suspect tout ça. Genre suspicion. Suspectation. Vous le faites exprès, en fait vous êtes trop con, c'est ça. Mais vous vous foutez de ma gueule. Mais c'est vrai. Mais vraiment! Mais il était assis! Ah, ça se voit! Ça se voit qu'il était assis! Ils vont me rendre fou. Ils vont me rendre fou! Je vais devenir fou! Waouh! Incroyable!
Ouais, sans doute. Peut-être. La vie est une pute, tu sais, Camille. Oui, bien sûr, et puis on y croit à mort, hein. Ta carrière va s'envoler, puis se rétamer par terre. Non. Oh, l'esquive! Oh oui, s'il vous plaît. Ah oui, s'il vous plaît. Faites-le, s'il vous plaît. Oh. 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 C'est pas drôle. Moi, je voulais que ce soit drôle, je voulais qu'elle disparaisse. Oh. Ah, les gens ne sont plus drôles. Ah, même le jeu. Ah. Ouais, tu as entendu le coup de Fuchs? Parce que c'est super important. Et oui. Ah, ça me semble logique. Ouais. Jamais, mais je... Mais je t'emmerde? Mais pas... Ah là là, lol, MDR, j'ai pas fini. Ah, peut-être le moment où tu as entendu les coups des Fuchs. C'était à la fin de la pause. Ok. Ouais. Tu as pressenti. Ouais. Pan! Et paf la pastèque! Ah, très intéressant, bad! Oui, on a terminé, casse-toi! Très loin! Ouais, je pense que ça, c'est le babysitter. Ah, j'en sais rien. Oh oui. Ah, il a pas tort. Merci, bad. Alors dis-moi, inspecteur légiste qui fout rien de sa vie, as-tu trouvé des marques? Oui, c'est normal, en fait. Ouais, comme cette affiche dégueulasse. Oui, évidemment. Regardons ce... cet extincteur. On sait jamais. Ah. Ah. Oh. Peut-être c'est poubelle. Je peux pas entrer. Je peux pas entrer, là. C'est le moment de... déduire. Ah. Ce détritus rose était sur le bord de la fenêtre. Peut-être est-il en corrélation avec les cactus. Enfin, le cactus. Sans le kiwi. Paf! Évidemment, cette corrélation était évidente. Le ballon de baudruche de Kef. Oh là là, j'ai failli oublier. Merci, Benjamin, de me le rappeler. Ah là là. Est-ce que ça peut vraiment nous être... Évidemment. Évidemment que ça va nous être utile, en fait. Je suis trop bête. Oui. Paf. Ok, terminé. Et c'est le moment de l'interrogatoire. Moi aussi. Mon cul sur la commode. Tu mens. Tu mens. T'es mort! Très bien. Bah ouais.
presque, mais non. Oui, car le juge a... Enfin, il a pas menti, mais presque, en fait. Il a mal vu. Il était dans le mauvais angle. Bon, un point... Non. Enfin, peut-être, on sait pas. Voilà, donc, les enfants, ne soyez pas une personne hautaine, surdaine, et toujours ce moment de doute dans votre esprit qui vous fait dire « Peut-être que j'ai tort, peut-être que je me trompe, peut-être que ce n'est pas ce que je voulais faire. » Ne soyez pas comme ce personnage qui n'existe pas. Ouais, calmez-vous. Ah bah oui, en même temps, c'est compliqué, hein. Enfin, une car... le que doit être... est trompeur. Je vais te poser des questions. Ouais. L'interrogatoire. Regarde bien ses yeux de... juge. Ouais. Tu étais parti aux toilettes. Oui, c'est pas une honte. Ok, c'est d'accord. T'es gay. Il y avait une fenêtre. Ouais. L'intérieur, exactement. Tu as vu, détective. Quelque chose. Ok, oui, ça c'est normal. Il avait disparu. Mais ça s'explique. Tout simplement. Oui, mais en fait... c'était une feinte. Car il était assis. Et oui, Jamie. Et oui, Jamie. Incroyable, n'est-ce pas? Détective était assis. Incroyable. Oui, blablabla, suspension d'audience. Je suis allé aux toilettes. Incroyable. Il y avait une fenêtre. Waouh. J'avais un inspecteur. Waouh. Mais en fait, il n'avait pas disparu car il était assis. Et oui. Objection. Paf la pastèque. Mais vous êtes trompé. C'est un mauvais réflexe. Je sais pas. C'est le jeu. Enfin, nous sommes dans le quatrième mur. Chut, ne peux pas le dire. À la passion. Hein, on la vraie passion. Ah là là, oui, mais c'est incroyable. De conchonceté. Les enfants, la conchonceté, c'est ce qu'il faut jamais faire. Lavez-vous toujours les mains. Non, 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 non. Eh bien, il était assis. On peut revenir au fait, s'il vous plaît. Un paquet de roulés suisses. Ouais. Tu réfléchis? Allez, on réfléchit. Et là. Il était assis et tu ne l'as pas vu. Tu le fais. Oui. C'est bien. C'est bien. Voilà, parce qu'elle était petite et qu'elle fait moins d'1m20. T'as compris? Aïe. Et oui. Bah alors, il était là, mais tu ne l'as pas vu. Et c'est normal. Ne t'inquiète pas. C'est normal, calmez-vous. Il était caché. Mais ça, personne ne le pouvait le savoir. Même pas toi. Waouh. Eh bien oui. Incroyable, n'est-ce pas? La physique de notre monde est géniale. C'était le bip d'un chargement d'ordinateur. Nous sommes sur l'îlot de qualité. Qu'est-ce qui se passe-t-il?
Mais... Oui? Vas-y, quand tu veux. Quand tu veux, je te prends. Je te prends de deux. Easy la famille. Tu as des choses à ajouter? Oh, dis-moi tout. Un souvenir. Ouais, tu veux un ballon? Spoiler? Spoiler, il avait un ballon. Je suis sûr qu'il avait un ballon. Si t'as vu un ballon, bah je me casse, écoute. Ok, il le reconnaît. Oh mon Dieu! Ça s'explique? Aussi? C'était pas mal. Mais ça s'explique aussi, hein, le juge. Oh, je peux te le dire. Spoiler, c'est un ballon et un cactus. Et oui. Réfutation. Oui, bla 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 bla. T'avais des trucs, t'avais des machins, c'est ouf ta vie. Un bang. Mais quel était ce bang? Et ben, il ne sait le ballon. Je l'avais gagné, j'avais vu. Non, arrête, 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 arrête de parler. Oui, c'est chiant. Un point important. Non, t'as pas le choix. Bon, et là, oui, je l'ai vu, blab. Oh, attends, ça, je l'ai pas fait. Ah, c'est une bonne question. Je m'attendais à ça car j'ai vu dans ton âme. Ah oui, mais alors dis-moi. J'ai ici l'inspecteur Bad qui me disait que c'était avant que le procès reprend, c'est-à-dire tôt. Juste le mot tôt. Quoi? Ah, lol. MDR. On va continuer très longtemps avec ça. Non, c'est bon. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Il y a autant de trous qu'un fromage. C'était ma meilleure punchline. N'oubliez pas de mettre un like. Et oui, c'était impossible. Et bah non, même pas. Ah, quel dommage. C'est moi, n'est-ce pas? Non, c'est le juge. Oh là là, il frappe un juge. Ne frappez pas les juges, les enfants, c'est pas bien. Ouh. Cet homme est tellement méchant.
Ce n'était pas un coup de feu, c'était autre chose. Et oui. Comment? Mais comme ceci, évidemment. Toujours. Alors ce n'est pas possible! Effectivement. Et oui, toujours. Cette pièce a conviction. Non, ce n'était pas ça. C'était... Ce reste de ballon de baudruche. Take this. And your fucking face. C'est du plastique. Enfin, du caoutchouc. L'allez me dire. Mais tu te fous de moi, en fait. J'aime beaucoup le... Le ridicule du juge qui fait environ peut-être une dizaine, allez, même pas une dizaine d'affaires par jour, mais qui ne connaît pas du tout comment ça se passe entre avocat et procureur. Non, lui il regarde, c'est comme si c'était l'arbitre d'un match de tennis. 15-0. Il ne connaît même pas les propres règles de ce qu'il fait. Vous avez menti! Ah bah, l'histoire serait au niveau auditif. Oh, c'est arrêté. Tu me fais perdre mon temps, Lidro, en fait. Ouais. Et c'est fini? Ou c'est un flashback? Ah non, c'est un flashback. C'était donc ce ballon de baudruche. Ouais. Ah bah, personne ne pouvait le prévoir. Ah oui. Ce n'est pas fini. Parce que c'est super important. As-tu vu une petite fille? Je pense savoir ce qui se passait, mais as-tu vu une petite fille avec un ballon? C'est super important. Oh, c'est la fin. Oh, c'est même pas la fin. Oh. Oh, décevant. Ah, détective. Nous sommes face à face. Non, pas encore. T'as de la chance, j'ai retardé. Des gazillions de fois. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, sac à merde. Oh, ça y est, c'est qui est la plus grosse. Et c'est le juge qui a... Voilà. Est-ce que t'avais une petite fille quand tu surveillais le couloir? C'est super important. Paf, la pastèque, exactement.
Alors, dis-moi tout. Tout et tout. Ouais. Oh, c'est parti pour le témoignage. Alors. Ok, on s'en fout. On s'en fout aussi. D'accord. Ah, tu n'as rien fait. Ouais, ouais, ouais. Je te crois, sans doute peut-être. On ne sait pas. On ne sait plus. Qu'est-ce que tu vas me dire? Je pense qu'il ment, mais sur quoi? Je vais le découvrir. À tout de suite. Alors. Alors. Ok, on s'en fout. On s'en fout aussi. Es-tu certain? Je suis sûr que tu mens. T'as dû aller aux toilettes. Allez, t'as dû aller aux toilettes. On va dire que t'es allé aux toilettes, s'il te plaît. Tu as fait quelque chose. Oh ouais, bon, d'accord. Il faut garder une porte. Waouh. Tu n'as pas fait un seul pas. Nous sommes choqués. Choqués. Je suis choqué. Ouais, bon. Oui, on s'en bat, on s'en fout. Ouais, ça c'est... Ça c'est quoi, tu vois? Tu vas me dire que c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as fait? Nani! Est-ce que tu n'auras pas mangé un petit gâteau? Ouais. Waouh! C'est une révélation! T'es fou! Débrailler des involtes sans manière. Beaucoup de répétitions, c'est un petit peu problématique. Tu as un vocabulaire limité. Il avoue avoir eu mangé. Il avoue avoir eu mangé. Oui, je parle très français en ce moment. J'avoue. Waouh. Non, tu ne... Enfin, si tu l'as vu. Tu l'as vu acheter un paquet de trucs à un distributeur. Un paquet de trucs. Ok. On va donc dire que ouais. Mais je suis pas d'accord. C'est faux. Est-ce que tu as vu une petite fille? Je sais que t'as vu une petite fille. Six balles, c'est vachement cher. Ah, il comprend. Hein? Que s'est-il passé? Oh, tu trouves une pièce d'un euro? Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens! Là, tu mens! T'as... Je veux te frapper, mais j'ai pas envie de se casser mon ordi! Ah bah ouais? Ah bah...
Mais oui, oh, c'est con, t'en parles. Oh là là, ah, c'est fou. Ah bah, je viens de te dire oui. C'est le cas, ah bah, même totalement. Mais oui. Ah bah, écoute, il y a une preuve incroyable. Tu vas pas le croire, tu ne vas pas en revenir. Incroyable. Ah, c'est le cadeau à ma communauté, comme dirait MV. C'est ce reste de ballon de baudruche. Eh, prends ça. C'était pas ce ballon de baudruche. Mais comment est-ce possible? Je suis... Non mais c'est bon, j'ai fait une faute, c'est ma faute. Ah, my bad, my bad. My bad, ok. My bad, c'est ma faute. C'est moi, j'ai pas compris. C'est ma faute. C'est... Là, c'est mon cadeau à la communauté. C'est ce roulé suisse. Bah oui, le roulé suisse de la gamine, évidemment. Donc prends ça. Dans ton rectum. Exactement. Mais justement, je savais... Je t'ai pas dit à qui ça appartenait. On en parle de toi. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de toi, mon petit détective, hein? Est-ce que tu nous dis que cacherais pas des trucs, hein? Juste un petit peu. Ah ah! Oh, t'as payé ça? Il y avait deux roulés, exactement. Deux roulés. Ah, une certaine autre personne. Pas du tout, mais... Mais ce qui fait des petites blagoulettes. Je peux mettre... Ah bah tiens. Même pas. Trigger. Je t'ai trigger. Tu connais cette petite fille? Je le savais. Non, vraiment incroyable. Qu'est comment? Nani? Ouais. N'est-ce pas, Francisca? Ah bon? Et pourquoi? Teddy, pourquoi tu l'appelles Teddy? C'est pas un ours? Enfin, c'est pas un ours, non, ce n'est pas un ours. Ah oui, Teddy l'ourson. N'a rien fait de mal, mais comment peux-tu en être aussi sûr? Elle va me faire un kick! Mais je vais lui parler. Si elle veut bien parler, qu'elle arrête d'être en position de street, évidemment. Ah, c'est. Voyons. Est-ce que j'ai à manger? Mais évidemment! J'ai sans doute ce roulé suisse incroyable! Je savais que ce roulé suisse vide serait... serait cool. Ah! Oui, alors! Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? La psychologie! Ah bah psychologie, psychologie niveau 1, même niveau moins 1. Oui. Ah la police. Enfin la police dans ce jeu. Nous saurons qui l'a tué. Tu sais, tu vas pleurer, si. Mais il est triste. C'est pas vraiment musique triste ça les gens. C'est la musique de tension. La tension. Et lui, ce qu'il lui fait un câlin. Ouais, et j'apprendrai plus tard que c'était Monsieur Van Karma, celui qui m'a élevé, qui l'a tué. Flashback, Phoenix Wright, épisode 1. Enfin, Ace Attorney, volet 1. Plutôt. Réutilisation d'image, évidemment.
LOL MDR. Ou bien je peux vous conseiller d'aller regarder le film Gekken Saiban de Takeshi Miike. Si vous cherchez bien, il est donc disponible, il est sans doute disponible en version originale sous-titrée. Et c'est tout. Alors ça reprend la trame principale du premier volet. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, tu peux aller rechercher, c'est un avis subjectif. Je fais de l'autopromo, ouais. Ah c'est beau. Ah c'est beau. Bon par contre c'est un petit peu dégueulasse. Mon jabo. Je me sens humilié, souillé. Surtout humilié. Bon ok Faradze. Maintenant on va pouvoir parler. Cette bipolarité est en train de me surprendre. Elle est très bipolaire. Ah bah trop tard. LOL. Bon au moins elle est très coopérative, dirons-nous. Ouais, on va dire ça. Tu vas mentir, Francisca? C'est pas bien, c'est pas dans ton credo. Ton père ne t'a pas appris ça. Je vais tout lui dire. Parlez-moi de ton papa. Sur le scriptail. Des roulés suisses. Mais je pensais que ce n'était que les friandises en édition limitée dans le temps. Oh, un carnet de promesses. Je vais l'utiliser sans doute en indice en scénarium. Ouais. Tu permets que je doute, s'il te plaît, hein? Petit doute sur toi. Ils se comprennent. Vous commencez à me les briser sévèrement, vous trois. Ah oui, c'est vrai, c'est dommage la vie. Ah, zut alors. Oh mon dieu. Je sens que j'ai déjà vu cette pose dans un show de street. Sans doute Vega. Je pense que ça doit être Vega, mais je suis pas sûr. C'est pas Ryuniken d'ailleurs. Tu penses vraiment que c'était obligé qu'on... Je le savais depuis le début. Ça. Tu es trop con. Voilà, je l'ai dit. Benjamin, tu es trop con. Il m'écoute pas, mais tant pis. Et parle-moi de ces relais suisses. Est-ce que tu connais la composition? Ah là là, mais cette corrélation incroyable. Bah oui. Parce que le distributeur n'acceptait que les pièces d'un euro minimum. Retenons cela.
Ah mon dieu, c'est beaucoup trop bien. Il se passe des choses. J'en ai toujours moins 4. C'est des cadeaux. Oh, lui donne. C'est le début de la transformation. C'est le début de la transformation de Benjamin Ter en personnage cool. Promesse numéro 1, n'accepte jamais les choses d'inconnues. Promesse numéro 2, ne va jamais quelque part avec un inconnu. D'accord. Je vais te l'emprunter. Attention. Emprunt. C'est la page 2, ça aussi? Vous venez briser? Ah là là. Bon, allons-y. Évidemment, mais je... Mais vous, t'es moi! Mais ça se sait depuis le... Ça se sait depuis au moins une bonne demi-heure! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu me débrises! Bon, ça fait 1h10, donc ça veut dire que le scénario doit être bientôt terminé. Bah pour la protéger! Tiens, ça me semble évident. Non! Bah si! Non, ça va pas bien se passer. Bah oui! Ouais, donc en fait, tu le sais pas. Oui, je vais te le dire. Et tu vas pas le croire. Tu vas même jamais le croire. Ah là là. Je pense que ça va être une révélation pour toi. Je suis sûr que tu vas pas en revenir. Ah, le jeu arrête de ramer du cul. Alors, je vais juste regarder ce carnet. Alors, on n'accepte jamais de choses dans l'inconnu, on va jamais écrire rien. Salut toujours avec le soir, même les gens qui ne connaissent pas, ne pleure jamais devant les inconnus, ok. Faites ton mieux pour apprendre les choses que tu ne comprends pas. Le travail de papa est de faire en sorte que tout le monde suive les règles. Ok, sur les gentilles filles, genre moi que je dirais les promesses que j'ai faites. Très bien. Est-ce que ça va être ce carnet de promesses qu'on va passer au moyen moins 10 minutes? C'était tout à fait ça. L'aile. Eh ben regarde, je sais pas, regarde-le. Regarde bien. Eh, se fout de ma gueule. Je vais te frapper tellement fort. Oh là là là, mais c'est dommage. Bon, est-ce que le scénario est bientôt terminé? Parce que ça fait 1 heure. Bah non, mais juste... Ah, oh, flash vert dans ma gueule. Ah. Ça ne te suffisait pas. Ouais, mais juste comme un ange dans le ciel, qu'elle est arrivée avec son ballon. Tout ceci explique tout. Bah, a priori, pas toi. Enfant indigne. Voilà. Le goût délicieux du chocolat. Ah bah... J'en suis sûr. Ça va être le seul truc bon que t'aies mangé. Voilà. Oui. C'est pas grave. Ah oui, ce morceau-là, en particulier, parce que t'es une naine, n'est-ce pas, Francisca?
Ah, et c'est ce que le juge a entendu. Et il est... c'est ce qu'il explique. Ah oui, c'était... oh, coquine. C'est pour ça que tu me l'as frappé. T'as fait un low kick. Hein. C'est pas grave. Bon, j'ai juste de la morve sur mon truc, mais c'est pas grave. Je te jure, il va pas fondre. Je vais juste les manger. Mais dans ce cas, qui a tué Sourosh et Faraday? Mais qui... Objection. Ah! Mais qui vient là? Mais c'est Eriya Sacaverle! C'est une blague en fait, tu te fous de moi? Ah! Oh toi, je sens que là, je vais pas t'aimer du tout, Eriya. Je suis sûr que c'est toi, juste parce que t'as voulu venger ta sœur. Voilà, je le dis. Ça se trouve, c'est un spoil, mais je voulais rien à faire. Je suis sûr que c'est toi. 20 balles que c'est toi. Tu veux vraiment le savoir ou... Ah, mais il y a un manque de respect. Ah, t'en bats les couilles, très bien. Très bien. On va s'amuser, je te jure, on va s'amuser. Non. Mais dis donc, Eriya, tu viens de me donner une idée saugrenue. Oh là là, je viens d'avoir une idée incroyable. Et si tu serais pas allé dans la salle des accusés numéro 1, numéro 2, par pur hasard, par je ne sais quel moyen d'ailleurs. Peut-être par les fenêtres. Les fenêtres ont les barreaux. Ouais, mais c'est pas grave. Ah bah écoute hein. Ah bah écoute hein, on parle de toi. Oh, je sens que je vais pas t'aimer du tout. Mais je ne t'aime déjà pas. Ah bah oui. Et oui, parce qu'on n'a pas du tout oublié. Moi, je l'ai pas oublié, je m'en souviens. Mais je suis sûr que c'est là où tout s'est joué. Où tout s'est passé. Et ben voilà, ça fait une petite heure. C'est parfait. Du coup, c'était ultra facile comme milieu d'enquête. Très, très facile. Un petit peu déçu. Très déçu. Ça aurait pu être un raccourci très légèrement de 10 minutes parce que... Il y a un ballon, tu nous dis, ah mais il y avait Faraday avec un ballon, c'est bon, tu t'es pas obligé de me mettre 15 minutes de discussion pour me dire, mais peut-être y avait-il quelqu'un d'autre, hein, je ne sais pas, mais pourquoi y avait-il d'être étu, ah là là, ça prouve peut-être que c'est un déchet, mais qui l'a laissé là, mais que s'est-il passé, ah je ne sais pas, voilà, t'aurais pu raccourcir de 10 minutes, ça aurait été pareil, mais du coup, qui a réellement tué Sourosh et Faraday? C'est la question auquel nous allons tenter de répondre dans, peut-être, potentiellement, la dernière partie de cet épisode 4 de My Sage Wolf. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette affaire jusqu'au bout, j'espère que ça vous ait plu. Je vous invite à essayer le jeu, parce que nous arrivons bientôt à la fin de cette affaire, mais aussi au dernier épisode, dernière volte-face, donc du spoil. Je vous invite aussi, si la vidéo vous plaît, à mettre un petit j'aime. N'oubliez pas de mettre un j'aime, c'est super important pour le référencement. Et de vous abonner à la chaîne si vous voulez la suite. Et si le contenu en général vous plaît, de mettre un petit commentaire, hein, c'est gratos. Et si vous avez un Twitter,
de me suivre sur Twitter parce que je suis super actif sur Twitter. Et voilà. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite et la fin d'épisode 4 de Might Strange Wolf Ace Attorney Investigation.